Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idowani. Wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Festival Agna, quel apport économique pour la région de Koulikoro? C'est le thème du Grand Dialogue délocalisé à Koulikoro dans le cadre de la 5e édition du Festival Agna. Les festivals culturels mobilisent de plus en plus de milliers de visiteurs venus de l'Afrique et d'ailleurs. Quel apport économique de ces événements culturels? Quel impact sur le tourisme? Comment les artistes vivent ces festivals? Quel est l'apport de la culture sur la reconstruction du tissu social? Quel avenir pour les activités culturelles? Studio Tamani pose le débat à Koulikoro. Nos invités, Aliou Moussa Tamboura, 3e adjoint au maire de Koulikoro, Fousseini Diakité, directeur du festival Agna, et Sekou Sala Diakité, du flatteur, artiste, chanteur, compositeur. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Fousseini Diakité, nous allons commencer avec vous. D'où est partie l'initiative du Festival Agna? Bonjour tout le monde et merci à Studio Tamani. Merci à Monsieur le maire de nous accueillir dans sa ville. Le Festival Agna, il faut savoir que c'est l'association de deux festivals. Le Festival Cinéado, qui est un festival de cinéma et d'art numérique du groupe Walaha, et le Festival Essakane de Tombouctou. Les festivals au désert de Tombouctou qui se sont réunis en fait pour créer un événement commun qu'on a appelé Agna. Donc Agna, l'origine vient de deux festivals qui se mettent ensemble pour créer un événement commun. Et on a choisi la ville de Koulikoro et précisément l'île déserte de Koulikoro parce que le festival au désert se faisait sur un espace similaire en fait. Pour cette 5e édition du Festival Agna, quel est le thème qui a été choisi? Le thème de cette année, c'est la renaissance culturelle et tout ce qui est panafricanisme, en fait, entre nous, Africains. Renaissance culturelle, pourquoi ce choix? Renaissance culturelle parce que on n'est pas sans savoir que nos autorités actuelles, même les Maliens, de maintenant veulent un renouveau. Voilà. Donc, si on dit qu'on veut faire un nouveau Mali, c'est qu'on attend un peu partout en ce moment. On ne peut pas le faire sans passer forcément par la culture. Donc, il faudra qu'on revienne à nos valeurs, travailler tout ça et les transformer souvent même en industrie pour le développement socio-économique de notre nation en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à croire à ce festival depuis le premier lancement à ce jour? C'est la ville de Koulikoro parce que le festival Ciné Ado, c'était un festival itinérant qui tournait dans toutes les régions du Mali. Et je crois que c'est en 2014 qu'on est arrivé à Koulikoro et depuis on est tombé amoureux de cette ville-là. Et on est parti d'un constat, Koulikoro est l'une des régions du Mali qui n'est pas assez développée par rapport aux autres régions. Et là, par rapport à leur positionnement géographique par rapport à Bamako. Donc le groupe Walaha, on a un programme qu'on appelle le programme de marketing territorial. Et avec la mairie, la jeunesse et les autorités coutumières, on a décidé de signer une convention pour mettre en place ce programme dans la ville de Koulikoro. Et l'une des actions de ce programme de marketing territorial, c'est le festival. Et le festival permet justement d'augmenter l'attractivité de la ville de Koulikoro, de booster l'économie locale dans cette région en fait. Sekou Sala Diakité, vous êtes un artiste local. Comment vous appréciez ce genre de festival? Bon, moi je préfère m'exprimer en Bamara. Donc, Yaninga Damnembe, Folie dit Koulikoroka Bella Djelema, mais Folie dit Malien Bella Djelema, mais le directeur du festival, Fousseini Diakité, Mafo, ou Kanisati Mimana, mais Anga Merbafo, Noé Tamouraï. Donc, festival n'allait en Koulikoro, bon, à Koulikoro, fin de changé. Parce que il y a déjà une activité, pas de chama, mais que Koulikoro, non. Bon, festival bas, n'tala. Donc, Alaye encore ce qu'il y a dans festival là, nous, le festival Walahaï. Donc, à Absara, Koulikoro, comme on a Aka, n'a pas eu du mal au boulot.
Bon, et festival n'a pas de balle parce que le festival durant tous ces jours à Kulikoro ici, bon, animation mais qu'elle fait bien. Bon, moro ou ni so jalendo et puis moro be bo duni dugu kana Bamako, même dans les régions les gens viennent ici donc abenani et cohésion et en redemand ni nyonche ani moro robe do nyona fena ani moro munte nyon don abenani relation re anafa ba o de folo folo anafa relation de parce que ini moro chama be nyon don assez fait en même temps abe Kulikoro bot dibi fena là parce que mouvement cap donc de gros activités batte Kulikoro donc ce genre de festival avec du coup animé. Monsieur le maire, un festival à Kulikoro, le festival Agnan, quel est l'apport de ce festival pour vous en tant que maire de la commune de Kulikoro? Que vaut d'ailleurs ce festival pour vous? D'accord, merci beaucoup Imrana. Et je salue toute la population malienne. En général, la population, celle de Kulikoro en particulier. Et j'avoue que l'avènement de ce festival à Kulikoro nous va très bien. Et nous sommes très contents de les accueillir dans nos murs. Puisque pendant ce séjour du festival Agna, c'est tout Kulikoro qui est mobilisé. Et nous sommes mobilisés dans le cadre économique et dans le cadre culturel. Ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup, puisque il y a la culture, il y a une autre culture qui arrive chez nous et ça va montrer à la population malienne, à la population celle de Kulikoro, que la culture, il y a une autre culture, c'est-à-dire le festival du désert qui a quitté le nord pour Kulikoro. Et économiquement, les jeunes de Kulikoro aussi gagnent leur pain là-dedans. La mairie gagne son pain là-dedans et la jeunesse aussi gagne son pain là-dedans. Et tout de suite, l'artiste Flatter vient de le dire, même les artistes gagnent leur pain là-dedans. Et économiquement, pendant ces 5 jours d'activité, c'est tout Kulikoro qui est mobilisé et les ressources aussi sont boostées. Dites-nous jusqu'à où la mairie est associée dans l'organisation de ce festival? Je pense que dans la mairie, nous sommes de plein pied là-dedans, du début à la fin. Depuis l'organisation, on a été investi là-dedans. Et nous-mêmes, on a informé le conseil communal et qui a même fait des délibérations par rapport à l'organisation de ce festival. Et le site a été vraiment sécurisé afin que, puisque Kulikoro est une ville d'exploitation de sable et de gravier, depuis la fermeture de l'ICOMA, c'est l'exploitation du sable et de gravier qui fonctionne à Kulikoro. Donc on a demandé à ces exploitants de sable et de gravier de laisser cette zone-là, puisque c'est une zone réservée pour le festival Agna. Il a parlé tout à l'heure que cette cinquième édition du festival Agna est placée sous le thème de la renaissance culturelle. En quoi la culture peut-elle rassembler selon vous? Kulikoro même est connu par son clan culturel, puisque nous sommes une ville touristique, nous sommes concis entre le fleuve Niger et puis la colline de Niana. Donc vu ça, et c'est une zone qui est recouverte vraiment de plusieurs sites touristiques. Et pendant ce temps, pendant ce moment fort, c'est la population malienne et la population étrangère qui vont connaître Kulikoro, qui vont connaître les sites touristiques de Kulikoro. Vraiment, on les accueille à bras ouverts ici et ça sera un pan pour eux de connaître la ville. À cette cinquième édition, est-ce que vous constatez d'engouement autour de ce festival? Oui, j'avoue que nous-mêmes, la jeunesse kulikoroise font tout pour attendre ce moment indiqué. Et pour ce qui concerne l'association des piroguiers, puisque pendant ce bon moment-là, ils gagnent leur pain là-dedans. Raison pour laquelle ils font tout pour préparer ces 5 jours d'activité qui s'organisent sur le fleuve Niger. Donc, ceux-ci vont avoir leur gain, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'activité économique à Kulikoro. Mais à la présence de ce festival, beaucoup vont organiser leur activité pendant ces 5 jours d'activité. D'accord. Djakite, quels sont les grands événements prévus au cours de ce festival? Le programme, c'est comme les autres programmes, à part quelques rajouts. Par exemple, dès aujourd'hui, il y a des projections dans les écoles et les quartiers.
C'est le côté proximité du festival pour rapprocher le cinéma, la population et surtout les élèves et tout. On va leur montrer les vieux films maliens, les films qu'ils n'ont pas eu la chance de voir sur les grands écrans. Et à partir du 28, il y a la foire artisanale et de l'innovation qui regroupe chaque année plusieurs centaines d'exposants. Et on avait voulu organiser cette année un forum qui a été ajourné parce que les autorités même ont décidé de mettre en place un dialogue intermalien. Donc nous on avait décidé ça il y a 6 mois, donc on a fait asseoir à ça, mais il y aura une table ronde sur le financement et le partenariat concernant le cinéma et concernant le secteur de la culture, la culture de façon générale. Et la particularité cette année, on va concentrer les concerts sur 2 jours, le vendredi et le samedi soir. Juste après la cérémonie d'ouverture le vendredi soir, il y aura ces deux grands concerts-là. Et comme toujours, il y aura toujours ce village éphémère-là. Le village éphémère, c'est l'espace où les gens viennent faire des expériences sociales et numériques même, parce que c'est là-bas qu'on regroupe toutes les autres activités qui ne sont pas cinéma, musique, mais qui sont des disciplines artistiques et culturelles. Alors, quelle est selon vous la force des créations artistiques? La force des créations artistiques pour le festival? Oui. Bon, en fait, notre festival est assez particulier. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Et les gens disent que c'est l'un des festivals les plus innovants. Donc, à chaque fois qu'il y a un artiste, mais un artiste de renommée internationale qui est invité sur le festival, il est obligé de s'adapter. D'abord, le site et le public, en fait. Donc, ça les amène justement à retravailler sur leur art. Et voir comment est-ce qu'ils peuvent donner ça. Parce que le site, c'est sur une île déserte. Voilà, ça veut dire que l'installation déjà c'est assez particulier et même le son, la voix, c'est assez particulier. Donc les artistes sont obligés de s'adapter à tout ceci en fait. Vous l'avez dit au départ que ce festival est placé sous le thème de la renaissance culturelle. En quoi selon vous cette culture peut-elle rassembler? Notre festival est le festival par excellence qui rassemble de façon naturelle. Parce qu'en fait c'est le seul festival au Mali qui réunit le nord du Mali, le centre et le sud. Et cette année, l'intégration et renaissance culturelle, la communauté invitée, c'est le Peul. Ça veut dire que le festival au désert vient naturellement avec les Touaregs et toute la communauté du nord arabe et tout ça. Et cette année, on a invité les Peul qui sont au centre du Mali. Et naturellement, puisque le festival s'est fait au sud, donc il y a cette intégration naturelle en fait. Donc quand on parle de renaissance culturelle, c'est tous ces peuples qui se croisent et ces brassages. À travers ce brassage-là, on découvre la culture de l'autre, on se découvre entre nous. Et c'est à partir de là que des collaborations et même des créations artistiques et protection du patrimoine peuvent en sortir en fait. Flatter, quel est le degré d'implication des artistes locaux dans l'organisation de ce festival? Bon, il y a une question de Djaraïen. Donc, les artistes locaux ont une collaboration avec le festival. Bon, et depuis le festival d'Amné, on est artistes locaux, parce que les artistes locaux venaient permettre quand il y a les scènes nationales, scènes internationales ou quand, surtout les artistes internationales ou les scènes bas, on ouvre aux scènes nous partager. Bon, avec l'expérience, tu m'as dit artistes ou ma couleur. Bon, en même temps, on regarde demain bas là parce que nous avons une commission de ski en même temps, en bout de mes fenêtres, comment réussir le festival, car c'est la promotion bas que en même temps, quand on l'a sensibilisé, on a ainsi de suite. En collaboration, le festival, le directeur même ne sait pas où il était à l'Okalama, pour la réussite. Comment les artistes sont-ils récompensés par les organisateurs selon vous?
Atisuka récompense beaucoup ce que parce que ni festival d'Amnena bon et artiste mon mege bon souvent ambe artiste nani wé duru ñu konage donc bon artiste nani duru konala bon aklé dama do la donc ni concert ça va parce que faut le concert ça va de tout mec donc ambe do la jeu vendredi dobe jeu samedi et fin et jeudi dobe jeu vendredi dobe jeu samedi donc artiste ça va bella bon bébé donne non sur quoi parce que comme c'est un débit festival mundo bo areba kalama jamana ka gelento mna donc on won bébé soutien des couilles pour que festival ka sega sans ro katmeni beka donc ni festival sangoro tara bo ofene na na fa bena quoi. Monsieur le maire, du début jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce festival a été vraiment un apport, a contribué à l'économie locale de la région de Koulikoro? J'avoue que ce festival, l'apport du festival pour la ville de Koulikoro est inestimable. Parce que pendant ces 5 jours d'activité, et c'est ce que j'avais dit au préalable. Bien avant ces 5 jours d'activité, je dis du début aujourd'hui, parce que nous sommes à la 5e édition aujourd'hui. Oui. Est-ce que concrètement, ça a donné quelque chose comme contribution à l'économie locale? Oui, puisque beaucoup ont pu créer des entreprises avec l'avènement de ce festival à Koulikoro. Et les gens, on a vu beaucoup de femmes qui travaillaient dans les bas-fonds du fleuve Niger. Et se sont adonnés à des petits commerces comme la vente de l'eau, la vente de l'arachide, la vente des légumes et autres, là, des fruits sur le site du festival. Et j'avoue que économiquement, c'est tout Koulikoro sent vraiment l'apport de ce festival-là. Parce que, voulez dire que Koulikoro se réjouit des retombées économiques? Oui, économiquement, vraiment, nous sentons des retombées. Et avec l'organisation de ce festival-là à Koulikoro. Et de la mairie et jusqu'à la population, vraiment chacun gagne son pain là-dedans durant l'organisation de ce festival. En termes de chiffres, sait-on combien le festival a injecté dans l'économie de la région de Koulikoro? Bon, je dirais que c'est des millions pourquoi, puisque et même ceux qui viennent pour les jeunes gagnent dans le parking, puisqu'ils organisent le parking avec les 2 commissariats d'ici et puis les forces de défense et de la sécurité, puisqu'on n'a pas ce problème d'insécurité à Koulikoro. Donc, ils s'organisent, le Conseil communal de la jeunesse, les 3 démembrements des jeunes, c'est-à-dire le Conseil communal de la jeunesse, le Conseil local et le Conseil régional qui sont à Koulikoro, ils s'organisent afin que le parking soit très bien géré. Donc, économiquement, ces jeunes-là gagnent et renflouent, comment dirais-je, leur caisse des jeunes. Bon, maintenant, et pour ce qui concerne la société civile aussi, cette société civile aussi gagne avec l'organisation de ce festival. Okay. Vraiment, nous sommes très contents d'une telle organisation à Koulikoro ici. D'accord. Avant de vous poser aussi la même question sur l'apport économique du festival, je vais vous demander d'abord quel est le degré d'implication des artistes locaux dans l'organisation du festival? Ah oui, je crois que l'artiste, Maison l'a dit, je crois que lui, il est avec nous depuis le début, depuis ce qui était signé à Ado jusqu'à Agnan. En fait, il est le présent aussi, ce qu'il n'a pas dit, le présent des artistes de Koulikoro. L'implication, c'est vraiment à 100% parce que ce n'est pas nous qui choisissons les artistes de Koulikoro. On demande à l'association de proposer les artistes de Koulikoro. Et normalement, les jeudis soirs même, on appelle ça la nuit du Meketan. C'est les artistes de Koulikoro qui sont mis en vedette et c'est eux qui animent normalement toute cette soirée-là. Mais puisque cette année, on a fait 2 soirées, donc ils vont venir sur le vendredi en début de soirée, voilà, pour faire cette nuit de Meketan et puis continuer. Donc c'est eux-mêmes qui choisissent les artistes et nous, on amène les autres artistes d'ailleurs en fait. Alors quelles sont selon vous les exigences des artistes? Les exigences des artistes de Koulikoro, c'est le plus souvent tout le monde veut jouer. Voilà, tout le monde veut jouer et lui qui est président. Et maintenant, puisque nous on l'a responsabilisé pour ça, nous on a moins de problèmes. C'est lui qui a aussi plus de problèmes maintenant parce que tous les artistes sans exception veulent jouer. Et malgré qu'on leur dit qu'on passe par l'association des artistes, ça n'empêche pas. Même hier, il y a des artistes de Koulikoro qui nous appellent pour demander qu'il faut qu'ils jouent
sur la scène. Voilà, leur exigence, ce n'est pas autre chose, c'est que tout le monde joue. Et ce n'est pas facile, on essaie de les prendre par édition en fait. Alors, que, qui finance ces festivals que vous organisez? Pour l'instant, le festival était à 90% financé par les organisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire le groupe Walaha et Sakan Productions. Parce que on a des partenaires, mais ce que les partenaires donnent sur le budget du festival, ça ne dépasse pas les 10%. Et on comptait justement, ça c'est l'organisation même du festival, c'est un investissement, c'est à la 5e édition normalement que l'organisation peut compter sur le financement de bailleurs importants. Mais avec la situation du pays, et donc ça n'a pas pu se faire. Donc encore aujourd'hui, et pour cette 5e édition, la plus forte pourcentage de l'organisation du festival se repose sur les épaules des organisateurs. Alors, quel est l'apport économique de ce festival sur le budget local? On a fait une étude il y a 2 ans sur l'apport économique du festival et on s'est rendu compte que le piroguier, par exemple, je prends un exemple, il y a 500% d'augmentation des recettes. Parce qu'un piroguier à Koulikoro au bord de l'eau, quand il fait traverser les gens hors festival, il a 10 000 francs par jour. Alors que pendant le festival, les 3 jours, il a 250 000 de minimum par jour. Il y a même un piroguier qui a eu 500 000 par jour. Avant, quand on mettait une digue éphémère pour permettre aux voitures et aux gens de marcher pour passer à Mambebougou, on a fait l'étude. Cette digue a permis l'exploitation de sable parce qu'on faisait cette digue pour responsabiliser les exploitants de sable, pour leur demander de limiter, pour intervenir dans la limitation des zones à exploiter. Et les chiffres de vente de sable dans la zone, c'est pas moins de 60 millions. Les hôtels à Koulikoro, c'est 100% plein. Les hôtels sont pleins et maintenant, c'est les particuliers qui sortent de leur maison pour louer aux gens. Et moi, personnellement, même hier, on a essayé de louer une villa, des villas qu'on loue le mois à 75 000 francs et le maximum 100 000 francs. Et pour les 3 jours du festival, ils les louent à 150 000 francs, 200 000 francs CFA. Donc, tous ces chiffres, c'est avec la mairie pour une deuxième étude. On va encore faire une étude en fait pour donner des vrais chiffres en fait de l'impact économique. Le péage et tout, à 3h du matin, il y a un embouteillage fou au péage. Jusqu'à présent, avec le péage, on n'a pas pu avoir les chiffres, mais ils disent quand même que leur chiffre est boosté pendant la semaine du festival. Voilà. Monsieur le maire, le tourisme vit-il de ces activités culturelles à Koulikoro? Oui, le tourisme vit à Koulikoro. Mais pendant ces jours de festival, il vit plus. Il vit plus pourquoi? Parce que nos sites touristiques là sont en ce moment tellement fréquentés. Parce que pendant les autres jours de l'année, c'est seulement les élèves de Koulikoro et de Bamako qui viennent pour faire des excursions. Mais pendant ces jours de festival, c'est presque la majeure partie de ces festivaliers-là qui partent sur ces sites touristiques pour aller voir ce que ces sites touristiques-là regorgent réellement. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure, on vous avait dit dans l'introduction que ce festival est un brassage culturel entre les communautés. En quoi cela peut-il contribuer à coudre le tissu social entre les différentes communautés du Mali et d'ailleurs? Puisque nous savons tous que dans le pays, ça n'allait pas. Et surtout que le nord et puis le sud ne s'entendaient pas. Mais avec l'organisation de ce festival, on a su qu'il n'y avait pas de problème entre nous Maliens. Donc c'est le festival là qui nous a montré, puisque les Touaregs qui sont avec nous, nous passons de bons moments ensemble. Et nous-mêmes, nous avons su que vraiment, et tout ce qui s'est dit sur les problèmes entre nous, entre les deux communautés là, n'était pas vrai. Donc c'est l'avènement de ce festival-là, puisque la majeure partie des éléments de Koulikoro n'avaient pas eu la chance d'aller au nord, visiter ce qui se trouve au nord. Étant ici à Koulikoro, et avec l'avènement de ce festival-là, ils connaissent la culture du nord.
Donc c'est le festival là qui nous donne ça. Économiquement, Fousseyni vient juste de le dire, j'allais toucher du doigt vers la fin, puisque pendant ce bon moment là, c'est la majeure partie, et comment on appelle ça là, ceux qui s'occupent des logements. Donc ils font tout pour avoir leur gain durant ces 5 jours d'activité ici à Koulikoro. Puis c'est même ceux qui avaient bâti des concessions, et ces concessions-là n'avaient pas d'électricité, de l'eau et autres. Là, ils font tout pour amener de l'électricité et de l'eau pendant ces jours de festival. Donc économiquement, ça rapporte à la ville, et les services techniques aussi gagnent leur pain avec l'organisation de ce festival. Flatter, l'art peut-il contribuer à la reconstruction du tissu social? L'art peut-il contribuer à la reconstruction du tissu social? Bon, bien sûr. Yannika, Nika, Okuma, il répond Folo. Donc, mais c'est Okuma Rock, surtout les artistes de Koulikoro là qui veulent jouer dans le festival. Bon, Okuma Kona là, bon, nous, on met Jatimna Deke. Artistes ou qui jouent là, festival là. Parce que tous les artistes, Dimsen Badin et Koulikoro, Bébé Fega jouent festival là. Bon, nous, on a remarqué que festival tout au fin, un artiste, il veut faire un ta don non de. Il veut y aller un don non de sans faire. Parce que même il y a déjà Timne, c'est vous festival là, et Saint-Fitinoumé, artiste Dimsen ou Béjé Romna, on a à la Colossie. Bon, mais il y a un dimension où on peut faire un festival là, où chaque festival ni afro artiste nanita ne peut flaquer corobalé, parce que l'espérance on a un milieu qu'on a maintenant ne peut jouer mano bégé. Bon, plus ne peut dimension flatta mounou talanyenne ma bémounou na mounou m'sega koulikoro toko labo, parce qu'en fait c'est gata mouro takata la et les senga même ta entretien senga, nous on peut pas le faire. C'est pour ça dimension badé, mais à la chaque fois où bégé ou bé cinéma. Il quand j'ai mis un jour là, il a baraké ban. Il baraké dans le jour va venir. Il vient avec Géo. Mais avec Géo, il va sur le tout mouan là. Il a les festivals les rêves. Il y a un podium d'amal là. Il va participer. Demsani mouan là. Il est senga aussi. C'est comme mouan client et tegera fou. Bon, il y a des étrangers. Mon nom est un festival suit. C'est kata mouota. Kata Esperance City là. Kata qui amti là. Il est qui va couvrir représenter. Non, on peut pas le faire. C'est pour cela au bout pas encore. Ou pas d'association B, ou pas qu'on a ou pas nous et ou les coco lagé. Mais pour ça, on a niveau là. Demsen fait bien à côté de talent bila, ou Allah, demsen te comme ma délégation festivalina. Ni talent qu'on bila qui sait qu'à faire noke, qu'on est pas à Kalama. Qui sait qu'à faire noke, il veut jouer festival là. Concertation. Est-ce que vous vous concertez entre artistes pour préparer tout cela bien avant? Si, améliorons de Kéo, améliorons Kéan et Redama Bignon, donc qu'on a amélioré Ké. Bon, sauf il y a des jeunes, mon association là. Donc, nous, l'association, priorité de parce que nous, on a appelé un Béoulé Bécanado association. Mais, ni Imana. Donc, ni association est claire et littéra pour que le festival Kobe Sekadama, tout comme on a dit, on a association qu'on a là, on de l'âge. Bon, alors, nous, bêtise, ni talent, il a été l'âge. On a dit, il a été l'âge. Il a été l'âge. Il a été l'âge. Il a été l'âge. Bon, festival Bella, festival Alni, nous avons festival d'Onité, on a joué festival national Chamambala, ne avons joué Bomago, même Kosana Netoumé Dibila, ne avons joué festival Badena Mano, la même chose. Bon, ni Mouronani, n'a pas quoi Mouronani, ta Kumala, il faut Mouronani, ni Mouronani, ta Mouronani, Flata, Korobalona, Ame Flata, Dimsenou, on a les talentiers, nous avons fait ça coquet. On a joué Velima a Jura Festival avec Chien Flabo, Gapa Veli, le fils d'Alou Sangare, a Jura avec Chien Damadobo, bon, et Ousmi, au fin de Jura Katemé. Bon, chaque année, n'a frakoua Mokota, même yina, ils ont dit qu'on mourra flata, parce que Bébé Djamana Galéa, donc ça ne va pas, financement qu'on est fait en Sénat, bon, moins batté. Donc, mourra flamme, moi je me suis dit, donc moi je vais représenter. Koulikoro ne demsen kelenta DBDA kafran rekan, parce que je sais que DBDA aussi peut faire quelque chose. Bon, je vais parler avec Zena ko bo demsen do ba wole, donc elle va voir nous c'est ga jouer petite scène quand comme petite scène do quand nous c'est ga jouer quand. Donc kalem no lu jatim ne bo al cinéma venait l'année cinéma be bo quartier par quartier souvent avec demsen nous kelengel na je ne te bo alo rekalama demsen nous chama meta ga obé quartier par quartier là. Sinon, je vais voir le rebat sur le Dimsen rappeur d'Obéji ou à déplacement de Douma.
mais festival sen bagne rek en espérance baté la ibse kataka mordo la jo au sang fait trop de akatakata yelendron ka djigi au apport du même c'est douma. Donc il faut que je nous demse nous ko de famia quoi ou kanata mro wole nous toro katou wole wole ku beje nous be fe ka je ou ka barake kulugura nous e barake nous ne on era ba ye quoi a te fond et on e ba yambi wole katil la je. Donc mbo orof na fo ka fara fusen nga kuma kan demsenu ko orof famia parce que wa to tieni barga boane no tise ka senere ma me weta fusen ne fin we we zina de wole ko lu be je festival la we vont boycotter des trucs comme ça mana mana kan ni fo me fo. Donc ni ibise ko la ta $100 nere en place di demsenu do ma asana artiste nani mi da chima se ka fin prevu era zina ne wole ko ne artiste mu do ma kuma se ka mgo la convaincu bon o mo le avant na quoi. Donc c'est pour cela que nous on prend des artistes demsenu munu msega prévu era munu msega mo kuro to la bo amolu deta ka je ka fara mo espérance be mo mo na o mo fla nyoko naka bon mege sar obe oluka niveau la otenega niveau la chaque année olunu be baraka nyoko fe. Donc les rappeurs quand même mo mo kibe se ko la ikana ni sonen du era kibe se ni nana ne bi la jeu mais ni ne il a jeu chegle ni mo se ka prévu era. Donc deuxième fois là on peut pas te faire jouer. Donc, aux stratégies, nous les deux, quoi. D'accord. Voilà. En écoutant les explications de Flatteur, on comprend tout de suite qu'au niveau local, il n'y a que deux artistes qui ont été choisis pour faire des prestations au cours de ce festival. Qu'est-ce qui explique le choix de ces deux artistes locaux? Bon, il a dit, hein, cette année, il n'y a pas du tout de budget à notre niveau pour prendre autant d'artistes qu'on veut. Mais les deux artistes, c'est pour la grande scène, il l'a dit. Maintenant, cette année, on n'avait jamais fait ça. On installe une petite scène qui va s'animer de 16h jusqu'à 20h, et souvent 22h en fonction des jours, pendant les trois jours-là. Donc, les autres artistes de Kulukuru vont être programmés là-dessus. Et en plus de ça, toutes les caravanes, par exemple, les caravanes qui commencent aujourd'hui, il y a des artistes qui jouent sur toutes ces caravanes-là. Et le minimum, c'est trois artistes par jour aussi. Voilà. En fait, le problème juste, comme il a dit, c'est les jeunes qui veulent monter sur la grande scène. Alors que la grande scène est faite pour les artistes assez confirmés quand même. Voilà. Alors, on en avait parlé au début. Quel est l'apport de la culture sur la reconstruction du tissu social, selon vous? Le problème principal de la crise du Mali, au Mali ici, c'est parce que les Maliens, entre nous, on ne se connaît pas, à mon avis. Et aussi, c'est parce qu'on a laissé tomber beaucoup de choses qui nous servaient. On avait des instruments qu'on appelle des instruments de résolution des conflits. Et ces instruments de résolution des conflits, ce n'est pas autre chose, c'est notre culture, nos coutumes en fait. C'est des choses qu'on a laissé tomber pour aller prendre d'autres outils, d'autres instruments ailleurs qui ne sont pas adaptés à nous. Donc c'est pour ça, si on revient sur nos cultures, nos valeurs, il y a beaucoup d'outils qu'on peut réinterroger justement pour apaiser cette tension qui est entre les Maliens. L'un des outils, ce n'est pas autre chose, c'est le Sinangouya, qui a tendance à disparaître. C'est des choses comme ça qui permettaient aux Maliens, qui a permis au Mali pendant toutes ces années d'être un peuple apaisé en fait. Donc la paix et la cohésion sociale est possible par la culture? La culture, c'est une question de gêne en fait. C'est dans notre sang. Donc si jamais on veut que ce soit la politique, tout ce qu'on fait, si on ne fait pas attention à notre culture, on fait autre chose qui n'est pas adapté au peuple malien. Donc c'est pour ça que la culture est importante. La culture doit être dans toutes les instances de décision, de développement, de recherche de paix, de cohésion sociale et même de santé. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, quel avenir pour ces activités culturelles sans financement conséquent? On a dit qu'il y a un problème de financement. Comment vous voyez l'avenir de ces activités culturelles sans financement conséquent? C'est ce que nous-mêmes, au niveau de la collectivité, nous nous sommes dit. C'est-à-dire que nous devrons nous impliquer financièrement afin que ces festivals puissent être d'une réussite totale. Et que ce soit nous et au niveau du conseil régional. Donc que la collectivité même aide ces festivaliers-là pendant ces jours d'activité. Donc nous demandons aussi à l'État de les appuyer. Puisque nous, étant une ville qui a tendance
économiquement à disparaître, puisque vraiment avec la fermeture, je l'ai dit si bientôt, et avec la disparition de nos usines de production, vraiment il n'y avait pas suffisamment d'activité à Koulikoro. Donc les ressources manquaient. Donc si l'État peut vraiment s'organiser à aider ce festival et les autres festivals qui s'organisent à l'intérieur de Koulikoro pendant ces jours d'activité, ça pourra au moins ça, soutenir les difficultés financières de la population. Voilà. On l'avait dit, hein, que ce festival fait entrer beaucoup d'argent, notamment il a parlé des piroguiers qui reçoit environ 500 000 par jour. Est-ce que ce genre des activités ne doit pas être pérennisé selon vous? C'est ça, c'est ce que depuis le début, depuis la première édition, on a demandé vraiment la pérennisation de ce festival à Koulikoro. Raison pour laquelle quand on échange avec les exploitants du sable de gravier là, on leur dit que c'est la vie de Koulikoro qui en dépend de l'organisation de ce festival. Puisque ce n'est pas uniquement les exploitants du sable de gravier qui fait vraiment émerveiller la ville, mais les autres activités, les autres entreprises qui se créent durant ces jours d'activité de ce festival-là, économiquement, est très très important pour la ville de Koulikoro. Et ce n'est pas uniquement les piroguiers. J'ai dit qu'avec le conseil communal de la jeunesse, le conseil local et le conseil régional, ceux-ci aussi gagnent beaucoup. Ils gagnent beaucoup avec l'installation des parkings au niveau du site. Donc, et puis les autres, puisqu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures pour ce qui concerne les hôtels et puis les autres lieux, les autres sites d'hébergement. Mais les sites d'hébergement qui sont quand même disponibles, nous, à notre niveau, sont pleins à 100%. Fouzène l'a si bien dit. Et nous-mêmes, Koulikorois, on le sait. Donc, c'est un moyen pour demander aux ressortissants de Koulikoro de s'investir à Koulikoro afin d'avoir suffisamment d'infrastructures qui peuvent au moins accueillir ces festivaliers à Koulikoro. Puis c'est tellement que les lieux d'hébergement sont remplis. Beaucoup de Bamakois et des autres régions viennent pour passer les bons moments et ils retournent pour aller passer la nuit à Bamako, puisqu'ils n'ont pas de site d'hébergement à Koulikoro. Donc nous demandons vraiment aux ressortissants de Koulikoro de s'investir pour le développement de la ville de Koulikoro. Vous-même, en tant que mairie locale, qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à ça? Quelle démarche? On est en train, même récemment, on est en train d'échanger avec, comment on appelle ça là, il y a un organisme de l'État qui est vraiment passé, je préfère taire le nom, qui est passé nous voir. Il a demandé s'il peut avoir peut-être un site, ils vont venir installer des hébergements à Koulikoro. Ils vont des salles de conférence, tout. Donc nous sommes en démarche, en relation avec la commune voisine, puisque la commune urbaine de Koulikoro n'a pas suffisamment d'espace pour abriter de telles infrastructures. Donc on a échangé avec le Méguetan, la commune de Méguetan, pour avoir un site et donner ce site-là à cet organisme-là pour venir installer peut-être des lieux d'hébergement pour Koulikoro et des lieux de formation pour la population koulikoroise en particulier et la population malienne en général. D'accord. Diakité, quel a été l'impact du départ des investisseurs sur l'organisation du festival à Koulikoro? Pour être honnête, il y a un mois et demi, on est venu voir les autorités de Koulikoro, le gouverneur, le conseil régional, et on nous avait dit qu'on ne pouvait pas organiser le festival cette année. Voilà, pour parler de l'impact réel. Parce que le modèle économique de la culture au Mali est basé sur les partenariats. Et la plupart de ces partenaires ne sont plus là. Mais c'est là que le gouverneur et les autres autorités, le maire et le président du conseil régional, nous ont rassuré qu'on ne peut pas annuler l'événement. Donc ils se sont impliqués auprès des autorités locales, auprès des autorités aussi à Bamako, pour voir quels sont les moyens qu'on peut trouver pour tenir quand même l'événement
même si c'est pour ça qu'on est revenu sur deux nuits de concert. D'habitude, c'est trois nuits de concert, par exemple. Donc, on essaie d'adapter le festival pour qu'au moins cette année, on puisse tenir quand même l'événement qui sera, je rassure, que sera aussi belle que les autres éditions. Mais c'est simplement difficile côté, côté financier. Et c'est pour ça que cette année, le festival reste gratuit. Par exemple, il y a la petite scène qui sera animée, le village avec le village éphémère, le village artisanal et tout. Mais la partie concert, on va faire... on va demander une contribution au festivalier. On a proposé 2000 francs par soirée, que les gens payent ça, que ça peut nous permettre d'éponger un peu certaines dépenses du festival. Voilà l'un des impacts en fait, de la, du départ des partenaires. Au départ, dans votre introduction, vous avez dit que ce festival, c'est 10% de financement par les partenaires, ce qui veut dire que ce n'est pas aussi énorme. Non, non, ce n'est pas énorme. Comme je l'ai dit, un festival, puisqu'on a, on est des professionnels du domaine, un festival, l'organisateur le prend pendant 4 ans. Normalement, c'est la 5e année que les partenaires viennent. D'ailleurs, après l'édition de l'année dernière, on avait tellement de promesses de partenaires qui venaient. Donc cette année, le festival allait être vraiment reposant pour les organisateurs. Mais c'est tous ces partenaires après qui ont dû rentrer en fonction de des tensions diplomatiques entre le Mali et certains pays, par exemple. Alors, dans ce cas, comment vous voyez l'avenir de ces festivals culturels? C'est pour ça qu'on essaie de créer une nouvelle économie, en fait. Quand on demande, par exemple, aux festivaliers de payer 2000 francs, ça permet déjà de gagner un peu d'argent pour faire tenir l'événement. Et comme c'est la volonté aussi de nos autorités, il faut que les Maliens, qu'on commence à compter sur nous-mêmes. Il a dit avec la mairie, on va venir voir, il y a les fêtes de la culture, on va venir voir les mairies pour les sensibiliser au financement de la culture. C'est-à-dire les donner les outils qu'ils n'ont pas forcément, qui peuvent leur permettre de récolter un peu d'argent qui peut soutenir les activités culturelles de Kouloukoro. Et là, cette démarche, après le festival, simplement, on va revenir vers les autorités communales, en fait, pour faire des ateliers dans ce sens-là. Alors, comment pérenniser ces genres d'événements? La pérennisation, ce n'est pas autre chose. C'est ce que je viens de dire, en fait, c'est qu'on arrive à trouver un modèle économique de financement local. Voilà, et c'est possible, en fait. Et c'est possible si on arrive à faire l'étude et voir l'impact réel du festival, l'impact économique du festival sur la ville de Kouloukoro. La mairie va tout de suite être attentive aux cotisations qu'on peut demander aux uns et aux autres, c'est-à-dire les exploitants des sables, le péage et tout ça, pour qu'il y ait un petit fonds, même si ce n'est pas énorme, qui peut permettre aux actions culturelles de Kouloukoro de démarrer. Voilà. D'accord. Les artistes de Kouloukoro vivent-ils de leur art, selon vous? Les artistes de Kouloukoro, est-ce que vous vivez de votre art? Bon, de temps en temps. De temps en temps, bon, moi, je ne parle pas des autres quand même. Moi, depuis que j'ai commencé la musique, bon, je n'ai pas fait bien, je n'ai pas fait la musique là. Je n'ai pas fait la là. Donc depuis à bas âge, le maire est témoin, c'est mon génération. Donc aller voir Kalamal, ni Dorani, ni un Adam, ni Ousimora. Donc faut 600 ans de musique qu'elle est là. Donc alhamdoulilah, mais donne sur. Bon, concernant les autres, quand même, bon, c'est pour cela que je dis, beka baraka quoi, beka courage, beka baraka. La musique, c'est pas du jour au lendemain. Fin mindo est à ton ordre de Dorani qu'elle est. Un fait que gratuit. C'est pour qu'il y ait un don dans les jours à venir. Donc, on passera fin de la fin. On a fait un don gratuit. Mais aujourd'hui, ces gens-là m'appellent sur la Croix-Rouge malienne où ils viennent souvent cacher 500 000 francs. Bon, on a courage de faire quoi. Donc, on a fait un don. Alhamdoulilah, on a fait un don pour le privé. Mais on a fait un don musique de Kornala. Nete bara wara fo la musique fana sababu de la ñe boutique dalé ya war bo musique de la ñe boutique dalé. Donc j'encourage mes jeunes frères munu fana bené duguma mais bébé kumanita e quoi munu mené duguma fana ka baraké jusqu'à présent al 600 ne ba ka san fait la réunion. Donc moi je me décourage pas ne ba agni toujours ka yelé parce que dem sonu musique ka fin do 600 musique toyé quoi musique té dron ka do sidio la ka morceau ndo glan bon.
qu'à faire faire enquête. Parce que c'est pour cela qu'on a créé une association. C'est pour que chaque fois qu'un conseil dit demsenouma, on passe la sera mon fait ambe les sons douma. Ni mien la mais alhamdoulilah, ni mien en la mais fenêtre. C'est ton problème quoi. Merci. On me fait signe que nous n'avons malheureusement plus de temps. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchit sur le festival Agna. Quel apport économique pour la région de Koulikoro? Et nous étions avec Aliou Moussa Tamboura, troisième adjoint au maire de Koulikoro. Fousseini Diakité, directeur du festival Agna. Sekou Sala Diakité, déflateur, artiste, chanteur, compositeur. À la présentation, c'était Imrana Akilou Maïga. À la mise en onde et vidéo, Nouhoun Djiré et Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.